Et le mec. On n'a pas un bon un truc. On va équiper. Tac. Tac. Un boons, non, on n'a rien, on n'a même pas de boons. C'est clair. Ah. Golem artisan. C'est pas mal ça. Est-ce qu'on fait un recette slasher avant? Ce serait bien qu'on la tue la rustique relique si on pouvait. Ça a 8 en défense, bah, c'est le truc le plus impitoyable au monde. Ouais, faut faire un recette slasher. Ça fait 4. Et 3, on perd 3 bêtes quoi. 8 et 3, ouais. S'il a le moindre. Enfin, non, lui. Lui... On prend la poire lui, on peut le régénérer, ouais, si on perd des bêtes quand même. Ouais, vas-y, kick. Hein? Ouais, vas-y, on est obligé, je crois. Ouais, y'a pas le choix. Ouais, ouais, ça me fait un peu mal au cœur. Hein, mais... Et repose un. Une chicharette. Ah non, tu veux non, bloquer non, avec les miens, bloquer, ouais. Ouais, il faut bloquer avec les miens. En fait, tu sais, soit tu bloques avec. On peut bloquer avec deux chicharettes plutôt? Ouais, avec la deuxième chicarre, ouais, ouais, si tu veux. Non, je sais pas. Ouais, ouais, on peut pas. Ah non, je dis perdre une mire, vaut mieux garder une chicarre, ce sera mieux après. Ouais, je pense. Ça renforcerait qu'on met. Parce que là, on va en perdre une de chicarre déjà, c'est sûr. Voir, on va perdre tout notre board. Hein. Ouais, vas-y, next. Tout notre board. On va faire un trade fort sympathique. Ah, il a son double boon, certainement. Non, mais il aurait pas fait en je sais pas, mec. Il a encore un ça. Ouais, il a deux ça. Et il a deux ça de rustique relique, ils étaient touchés. Bon, on va crever, quoi. Il attaque plus. Ouais, il m'attaque plus, ouais. Il veut pas faire le trade. Non, mais il veut, non, mais il veut passer en mode flush fuitard, quoi. L'avantage c'est que. C'est que quoi? Non, il n'y a pas d'avantage. Il n'y a pas d'avantage, non. Il n'y a pas d'avantage. Si, on peut, donner, d'avantage. On peut donner fly à notre carte ouais, aussi. Ouais, vas-y, pose-le, de toute façon. Donc. Pas si mal sur Golem en fait. Hein. Comment? Je dis, on est pas si mal sur Golem. Ouais, mais on a la portée de tout, tu vois. Dès qu'il pêche un truc, on est. Tu vois, un truc qui fait quelque chose, on est. Pendant les chevaux, quoi, et tu vois, il attaque pas, on attaque pas, et voilà, quoi. Et à un moment, c'est lui qui pêche un double boom sans bouer. Crève, et d'ailleurs, il a ça en plus, donc on est même pas. Non, on peut même pas bloquer avec. Non, on peut même pas bloquer. Non. Non, on va prendre one type. Bon. Tu vois, on va être obligé de rester tout d'étape. Super chiant, ces gars. Ouais, attends. Ah, si, on peut bloquer, si, on peut bloquer. Oui. Fais. Ouais, tu donnes le vol à un truc, hein. Ouais, donne le vol au 4-1. Ouais. Fais Brasco Air, t'équipe. Ouais. Et tu régénères avec une mire. Ouais, c'est exactement ça. Donc, hop, target créature. Lui là, il peut. Ouais, il vole. 1, 2, il peut pas régénérer, hein. Et c'est des marqueurs. Ah merde! Ah mais non, du coup non. Non, mais ça va trader. Si il faut juste équiper avec Brass Fire. Non, ça trade pas. Il sacrifie une bête après, tu trades pas. Ah oui, non, 3-6. C'est vrai, je trade pas. C'est lourd. Il y a un 3-6. Donc est-ce qu'on a envie de perdre lui? On n'a pas vraiment envie de perdre lui, non? Non, non. Ouais, du coup, on fait rien. Oh, putain, c'est beaucoup trop infâme ce mec. Ouais, bah du coup, prends et équipe fin de tour, ton 4-1 avec. Avec un bras scolaire, va falloir qu'on le sauce. Hein. Prends combien de poises là? 5, 6, 7, 5 poises. Ouais. Il nous tue en deux coups le mec quoi. Ouais, bah vas-y, prends. Tant pis. fin de tour, équipe avec bras scolaire ton 4 ans. On va commencer avec patate ou salade, lui. Tuck. Tuck. C'est la même chose, hein. Non, pourquoi? Bah, non, parce qu'on peut booster. Ouais, on peut booster maintenant. C'est vachement différent. Ah, ça vole et ça a la protection contre. Ça non, vole, ça vole pas. Non. Ça peut. C'est la protection contre le noir et ça ne fait rien. Ça ne fait absolument rien, ce truc-là. Double strike non plus, ça ne fait rien en fait. D'accord. Une sauce du 5-2, tout simplement. La socialita. Ouais. Je crois pire on va le trash bloquer ce truc là parce que ça me fait beaucoup trop tilter.
Je sais que ton golem artisan ou pas. Oh là, c'est le truc qu'il faut pas faire, il faut le garder. Non, mon fling. Non, ok. Bah non, il va trader avec ça, je pense. C'est ça qui va. Ouais. Bah donc on le garde en défense, le 4-2, 5-2 ce tour-ci. Dans ce cas-là. Je sais pas. Parce qu'on peut lui donner le fly, le booster deux fois. 1-2, ouais, on peut lui donner le fly et le booster deux fois. Ça veut dire qu'il passe 7. Ah, mais nous, faut qu'on garde des bloqueurs avec la mana pour le 7, 8. Non, mais attaque pas. Attaque pas. Fais un. Non, il faut rien faire. Si tu veux. Dans ce cas-là, il va rien faire lui non plus. Dans ce cas-là, on se retrouvera jamais jouer une carte. Et... on peut le booster une fois, non? On peut le booster une fois et le rendre flying, ce qui devrait suffire. Il faut qu'il sacrifie deux bêtes. Ouais. Non, je sais pas. Boost une fois et le rend flying, ça fait qu'il sacrifie une bête. Deux bêtes. Bah non. On va devenir 6. 6. 6, et bah lui il va devenir 6 en défense en sacrifiant une bête. Et il faut qu'il en sacrifie une deuxième pour garder ouais, ça. Ouais, et s'il passe 7, il est obligé de saquer sa relique, c'est ça que je veux dire. Donc il attaque non. plus. Il sacrifie sa mire et son. Il sacrifie 2 mires pour passer 7. Oui, mais si notre truc est 7 en fait. C'est ça que je te dis. Si notre truc est 7. Mais il va pas attaquer. Si notre truc il est 7. Il va pas attaquer. Bah oui. Donc c'est pour ça que je te dis, si tu poses un Miran Crusader, c'est même pas sûr qu'il attaque parce qu'il faut qu'il sacrifie deux miens. D'accord. Donc moi je pose un Miran Crusader. Non. Parce qu'en fait le Miran Crusader il peut attaquer le prochain tour. Et échanger contre la relique. En équipant avec le Player Husk, la Flayer Husk. Okay. Ouais, pose-le, mais de toute façon, bon. Faut encore que ça se passe bien. Hein. Enfin, faut encore qu'il je sais pas un double wounds. Vu comment il a l'air bien rigueur lui, tu vois. Ok. Bah dans ce cas-là, on va bloquer. Allo. Tu en fly. Allo. Et tu bloques et tu fais rien. Enfin, tu dors en fling. Hop, fling. Ok. Ok. Et là, il laisse passer, il fait Morbid Plunder, j'ai récupéré les deux. Oh putain, d'horreur, ouais. Ce sera infâme, ça, non? Ouais, ce sera assez infâme. Morbid Plunder, je récupère les deux. Notre jeu qui ne gère à rien du tout. Ouais, Flesh Eater Imp, c'est une putain de bonne carte. Ouais, contre notre jeu, quand t'as Trigon, machin, toutes les combolettes congolaises du Congo, ouais, c'est. Vas-y, boost maintenant. Ouais. Hop là. Non, c'est la première. Ah, mais on a 5 minutes, H. Ouais, on a 5 minutes. Et c'est la 2. Non, c'est la 3. Mais non, on a perdu la 1. C'est la 3. Mais non, jamais. On a jamais gagné une game, mais non. Il a fait Rustic Relic, on a juste. On était juste dans les choux. Ouais. Allez, attends, je suis là. Vas-y, je suis là. Non, c'est là, on n'a pas gagné une game. On n'a pas gagné une game, non, non, on avait gagné une game. Okay. Du tout. Putain, je viens de le voir, quoi. Wow. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait double boost. Il avait double boost, sans il a tout ce mec. Il a fait double boost. Ouais. C'est un peu compromis. Il peut pas avoir le fly lui de toute façon. Il peut pas tâter. Ah mais merde, j'ai fait une erreur. Quoi? On est mort là. Quoi? Je vais être obligé de bloquer avec mon golem artisan en fait. Mais non, tu vas donner. Ah oui, merde. Ah mais là. Ouais. Bon, de toute façon, elle était un peu. Était un peu dur quand même celle-là. Mais ouais, j'ai fait une bonne merde. Une bonne merguez. Ah, c'est une bonne merguez, ouais. Je te vois. Ah, c'était un peu compromis de gagner celle-là en 4 minutes et l'autre.
Ah non, mais de toute façon, Temple Magnet. Le mec, non, il était régulier. Bon, bah merci d'avoir maté ce petit draft avec Fafa. Au moins, on a eu un petit Venser, un Sunblast et un Tempered Steel et un Miran Crusader, c'est vrai, et un Billhand. Dis donc, c'est le draft. C'est le draft monnaie. On se fait violer quand même, hein. On s'est bien fait violer. Bon, il y a qui était pas si mal, mais bon. Bon, et pour le petit mot de conclusion. Farid, est-ce que tu aurais joué 16 landes finalement? Non. D'accord. Bah non, non, regarde, tu vois, on a toujours besoin de landes, quoi. Ouais, toujours besoin d'aligner des landes. Non, j'aurais joué 16 landes. Ok, bah merci beaucoup. Et on se retrouve bientôt pour d'autres drafts sur Watch the Match. Bientôt, je reviens. Et il revient dans 4 ans, je pense, Farid, dans 4 ans. A plus.